Malheureux David De Gea. Oui, l'infortuné David De Gea, coupable sur le second but de l'équipe du Portugal, inscrit par l'inévitable Cristiano Ronaldo. Et ça fait 2-1 pour le Portugal, mesdames, messieurs. Un match, c'est le match le plus consistant, le plus agréable, le plus sympathique. Nous n'en sommes qu'à la deuxième journée de ce mondial russe. Et ça peut se comprendre. Le meilleur est à venir. Ce sont deux ténors qui sont en train de s'affronter. Alors, curiosité dans cette première mi-temps, ce n'est pas l'équipe qui a dominé, qui a monopolisé le ballon qui mène, mais c'est l'adversaire qui s'est montré patient, qui a su attendre le bon moment et surtout exploiter cette erreur terrible, grossière du gardien adverse pour mener de 1. Patient et réaliste. Patience et réalisme, efficacité aussi, parce qu'en face, on l'a dit, Itala l'a dit aussi, et moi j'ai baigné dans votre sillage, Cristiano Ronaldo, il est de l'autre côté de la barricade. Cela signifie ce que cela signifie à tout moment. Un joueur de premier plan. À tout moment, il peut frapper. Ah oui, et il l'a fait. Il l'a fait. Permettant à son équipe de mener de cette équipe du Portugal. Ce n'est pas un avantage mérité, mais c'est ce qui fait le charme du football. On ne peut pas prévoir effectivement ce qui va se passer. Ce score ne reflète pas la physionomie du match. Absolument pas. Itala. Oui, moi pense que le match là était vraiment intéressant. Projet yo respecté, dans quel sens? Équipe espagnole, nous connaissons une équipe qui est très patiente, bonne circulation, bonne technique. En revanche, nous attendons à une équipe portugaise qui lui-même a joué sur contre. Nous sentons que l'équipe espagnole a un ballon, elle prend pile temps avec lui avant que lui arrive dans le dernier et 30 mètres là pour essayer de finir l'action. Mais en revanche, l'équipe espagnole, l'équipe portugaise elle-même, elle est beaucoup plus à l'aise, c'est surtout dans la phase de transition, c'est-à-dire que l'œil récupéré les ballons pour qu'ils gagnent espace, un espace derrière défense, équipe espagnole là, et dans ce sens-là, nous sentons lui, nous Welly, en deux possibilités que ont gagné, Cristiano Ronaldo fait deux goals dans le match là, est-ce que l'équipe espagnole là est capable lui-même retourner dans le match là, nous pourrons le gagner en deuxième mi-temps. Vraiment, nous sentons que c'est peut-être Jean Soudila, Dr. Rivo, que c'est le meilleur match compétition jusqu'à présent. Merci bien, et Rubens Prinsimé, pour ces considérations. L'Espagne est en difficulté face au Portugal. 2-1 pour le Portugal. Nous prendrons nous à travers les rues de Port-au-Prince avec une équipe de la télévision nationale d'Haïti pour nous voir comment ambiance s'en lier en pleine Coupe du Monde. Nous, on dirait que depuis Kios Oxygen Ferrand, nous joignons fanatiques Portugal. Dis-nous à qui sentiment ou accueillir le coup de ça et comment vous équipe vous. En premier, je vous dis merci à monde qui organise ça, qui permet que l'équipe soit capable de garder le match. Actuellement, l'équipe est menée là, qui est Portugal. Donc, je suis fanatique Cristiano, donc c'est un plaisir pour moi l'équipe là menée. Donc, nous avons une grande chose d'équipe là. Depuis combien d'années ou fanatique Portugal? Bon, c'est sûr que depuis que Cristiano a monté ensemble avec Real Madrid, surtout, amoureux de jouer ça et lui fait mal remer Portugal. Est-ce qu'on t'a attendu à victoire ça pour aujourd'hui? Ah oui, moi connais l'étape difficile jusqu'à présent c'est pour qu'on y ait victoire, mais nous aussi que Cristiano avec Portugal il est capable de faire un peu l'exploit et surtout aujourd'hui moi quoi nous déjà mettre main sur ça. Qui compte au penser Portugal a privé pour cette compétition? Bon, l'image pour ce qui est capable de jouer dans la compétition, mais c'est sûr qu'il a fait bonne figure. Ok, nous prenons un deuxième monde ou même fanatique qui pourrait. Cristiano Ronaldo 100% Portugal for life. Depuis combien d'années vous avez chauffé Portugal? Bon, depuis le fin champion d'Europe là, Portugal en pile. Pas une initiative que j'ai au point de motivation que j'ai au point pour l'équipe là en direct. Ça qui explique que choix Portugal joue aujourd'hui en Haïti. Bon, raison c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo. Ok, Ramos Isco tout fait partie de Real Madrid. Pour qui ça plus fort effectif Real là, non? Dans l'Espagne ou pas chauffer l'Espagne, mais c'est Cristiano qui choisit chauffer. Parce que dès vous dites Real Madrid ou dit Cristiano, ou dit Portugal ou dit Cristiano Ronaldo. Qui sont pensé combien de matchs a fini? Bon, son match a fini 3-1. Et Portugal, côté la privée dans la compétition? Moi, je quand même espéré en demi-finale. Qui compte au sorti ou vient des matchs? La pleine. En fait, c'est là toujours à tout.
Oui, parce que l'initiative là, moi, mais l'initiative là, parce que je suis côté courant à la pleine pour me garder ma chambre, je suis là, il m'a bien passé en attendant Portugal a fait important à Cristiano Ronaldo. Ok, d'accord, merci. D'accord. Nous pourrons le suivre pour nous faire un petit palais avec deux, trois personnes qui sont beaucoup plus âgés, qui exactement sous escalier, moun sa yo, c'est deux personnes qui quittent la caillou, ils viennent chauffer l'équipe. Comment est-ce, citoyen? Comment y est? À moi là. Comment on vit la compétition? À malement. Et ça fait ça? Ça faut suivre malement. En compétition. Il y a une compétition dans le soleil et puis dans le grand goût. Fanatique qui est qui pour y à Brésil. Je dis à qui soit supporté? Portugal. Peut-être qu'ils ont choisi Portugal. Ah bon, peut-être Cristiano. Il y a plusieurs joueurs Real Madrid qui partagent les vestiaires espagnols là pour qu'ils ne soient pas choisis l'Espagne. Espagne, bon, pas fanatique Espagne. Ok. Qui compte on pense Portugal qui arrive pour suite compétition? Bon, Portugal, mal demi-finale. Demi-finale. Qui est qui pour penser Cap Champion? Bon, je pense que c'est Cap Champion. Moi, je suis champion. Ok. Donc, le capitaine est là, c'est Mounio en direct. Chante masse cap vive événement pour monter en force de l'équipe Portugal là en Haïti suite avec belle performance que Cristiano Ronaldo lui-même lui a délivré dans le football là. Ça crée un paquet d'ambiance et du coup il y a un paquet de fanatiques en Haïti. Studio ou qu'à reprendre antenne, n'a pas continué à vivre événement sous chante masse. Le malheureux David De Gea. Oui, l'infortuné David De Gea, coupable sur le second but de l'équipe du Portugal, inscrit par l'inévitable Cristiano Ronaldo. Et ça fait 2-1 pour le Portugal, là, mesdames, messieurs. Un match, c'est le match le plus consistant, le plus agréable, le plus sympathique. Nous n'en sommes qu'à la deuxième journée de ce mondial russe. Et ça peut se comprendre. Le meilleur est à venir. Ce sont deux ténors qui sont en train de s'affronter. Alors, curiosité dans cette première mi-temps, ce n'est pas l'équipe qui a dominé, qui a mobilisé le ballon qui mène, mais c'est l'adversaire qui s'est montré patient, qui a su attendre le bon moment et surtout exploiter cette erreur terrible, grossière du gardien adverse pour mener de 1. Patient et réaliste. Patience et réalisme, efficacité aussi, parce qu'en face, on l'a dit, Itala l'a dit aussi, et moi j'ai baigné dans votre sillage, Cristiano Ronaldo, il est de l'autre côté de la barricade. Cela signifie ce que cela signifie à tout moment. Un joueur de premier plan. À tout moment, il peut frapper. Ah oui, et il l'a fait. Il l'a fait. Permettant à son équipe de mener de 1. L'équipe du Portugal. Ce n'est pas un avantage mérité, mais c'est ce qui fait le charme du football. On ne peut pas prévoir effectivement, ce qui va se passer. Ce score ne reflète pas la physionomie du match. Absolument pas. Itala. Oui, moi pense que le match là était vraiment intéressant. Projet yo respecté dans quel sens? Et qu'Espagnol là nous connaît que c'est une équipe qui est très patiente, bonne circulation, bonne technique. En revanche, nous attendons nous à une équipe portugaise qui est même t'avoir joué sur contre. Nous sentis que leur équipe est espagnole là qui ballon, il prend pile temps avec lui avant que l'arrivée dans le dernier et 30 mètres là pour essayer de finir l'action. Mais en revanche, équipe portugaise à lui-même, il est beaucoup plus à l'aise et surtout dans la phase de transition. C'est-à-dire que là, il a récupéré les ballons pour qu'il gagne espace, un espace derrière défense équipe espagnole là. Et dans ce sens-là, nous sentis lui, nous Welly, en deux possibilités qu'il a gagné, Cristiano Ronaldo fait deux goals dans le match là. Est-ce que l'équipe espagnole là est capable lui-même retourner dans match là, nous pourrons gagner en deuxième mi-temps. Vraiment, nous sentis que c'est peut-être Jean-Claude là, Docteur Rivo, que c'est le meilleur match compétition jusqu'à présent. Merci bien et Rubens Précimé pour ces considérations. L'Espagne est en difficulté face au Portugal. 2-1 pour le Portugal. Nous prendrons nous à travers les rues de Port-au-Prince avec une équipe de la télévision nationale d'Haïti pour nous voir comment ambiance s'en lier en pleine Coupe du Monde. Nous, on dirait depuis Kios Occidentif, Ferrand, nous joignons fanatique Portugal. Dis-nous à qui sentiment ou accueillir le coup de ça et comment vous équipe vous. En premier, je dis merci à mon qui organise ça, qui permet de camper là, ici, capable de garder le match. Actuellement, l'équipe qui est Portugal,
Donc, grand fanatique Cristiano, donc c'est un plaisir pour moi et l'équipe là. Maintenant, donc, n'a pas une grande chose d'équipe là. Depuis combien d'années ou fanatique Portugal? Ah, bon, c'est sûr que depuis que Cristiano a monté ensemble avec Real Madrid, surtout, je suis tombé amoureux de jouer ça et il fait mal remer Portugal. Est-ce qu'on t'a attendu à victoire ça pour aujourd'hui? Hein? Ah oui, moi connais l'étape difficile jusqu'à présent, c'est pour une victoire. Mais nous aussi que Cristiano avec Portugal, il est capable de faire un peu l'exploit. Et surtout, aujourd'hui, moi crois nous déjà mettre mes sous ça. Qui quoi tu penses Portugal? La privée pour cette compétition. Bon, l'imal pour ce qui est une grande compétition, mais c'est sûr qu'elle n'a pas bonne figure. Ok, nous prenons deuxième monde ou même fanatique qui est pour vous. Cristiano Ronaldo 100% Portugal for life. Depuis combien d'années vous avez chauffé Portugal? Bon, depuis le fin champion d'Europe, là, vous avez Portugal en pile. Pour vous initiative que j'ai, au point motivation que vous avez pour l'équipe là en direct. Ça qui explique que choix Portugal joue aujourd'hui en Haïti. Bon, raison c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo. Ok, Ramos, Isco, tout fait partie de Real Madrid. Pour qui ça plus fort effectif Real là, non? Dans l'Espagne ou pas chauffer l'Espagne, mais c'est Cristiano qui choisit chauffer. Parce que dès que vous dites Real Madrid ou dit Cristiano, ou dit Portugal ou dit Cristiano Ronaldo. Qui sont pensé? Combien de matchs a fini? Bon, son match a fini 3-1. Et Portugal, côté la privée dans la compétition? Moi, quand même, espéré en demi-finale. Qui compte au sorti ou vient des matchs? La pleine. C'est là toujours à tout. Oui, parce que l'initiative là, moi, mais l'initiative là, parce que je suis côté courant à la plaine pour me garder ma chambre, je suis discret là, il m'a bien passé en attendant Portugal a fait important à Cristiano Ronaldo. Ok, d'accord, merci. Nous allons suivre pour nous faire un petit palais avec deux, trois personnes qui sont beaucoup plus âgés, qui exactement sous escalier, Mounsayo, c'est deux personnes qui quittent la caillou, ils viennent chauffer l'équipe. Comment est-ce citoyen? Comment y est? À moi là. Comment on vit la compétition? À malement. Et ça fait ça? Ça fait suivre l'imalement. En compétition. Y a une compétition dans le soleil et puis dans le grand goût. Fanatique qui est qui pour y est? Ah, Brésil. Je dis à qui soit supporté? Portugal. Peut-être qu'ils ont choisi Portugal. Ah, bon, peut-être Cristiano. Il y a plusieurs joueurs Real Madrid qui partagent vestiaire espagnol là pour qu'ils ne soient pas choisis l'Espagne. Espagne, bon, pas fanatique Espagne. Ok. Qui compte penser Portugal qui arrive pour suite compétition? Bon, Portugal, mal demi-finale. Demi-finale. Qui est qui pour penser Cap Champion? Bon, je pense Cap Champion. Moi, champion. Ok. Donc, le capitaine est là, c'est Mounio en direct du Chantmas Cap Vive événement. Nous avons monté en force de l'équipe Portugal là, en Haïti. Suite avec belle performance que Cristiano Ronaldo lui-même lui a délivré dans le football là. Ça a créé un paquet d'ambiance. Et du coup, il y a un paquet fanatique en Haïti. Studio ou carré. Maintenant, on continue à vivre l'événement sous Chantmas.